congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise. Être âgé de 18 à 25 ans. Être célibataire, sans enfant et volontaire. Avoir une bonne moralité. Avoir fait au moins 4 ans post-primaire. Être physiquement et mentalement apte. Être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbu. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso. En ces jours de travail dans la province du Haut-Katanga, le chef d'état-major général du FARDC se rendit ce vendredi 14 avril 2023 au gouvernorat de la province pour présenter ses civilités au gouverneur Jacques Kaboula Kouété. Par ailleurs, le lieutenant-général Thiou Songesa Christian poursuit sans désemparer sa mission de commandement et de contrôle des unités du FARDC dans cette province. Le jeudi 13 avril 2023, le chef d'état-major général a visité le quartier général de la 2e zone de défense à Lubumbashi. La situation sécuritaire dans les grands Katanga et dans les grands Kassai a fait l'objet du briefing présenté à son intention par le lieutenant général Masunzu Pacifique, commandant de la 2e zone de défense. Le chef d'état-major général a clôturé sa visite ici par le mess des officiers en construction. De la 2e zone de défense, le chef d'état-major général s'est rendu au quartier général de la 22e région militaire. Comme à la zone de défense, le général-major Gianga Smith, commandant de la 22e région militaire, a présenté la situation dans sa juridiction. Pour le général Gianga, la situation sécuritaire dans les villes de Lubumbashi et Kassou Mbalesa était caractérisé par une série de découvertes de corps sans vie. Depuis lors, des mesures ont été prises par la région militaire pour sécuriser les paisibles citoyens. Le chef d'état-major général en a profité pour exhorter les officiers à la discipline, au respect de la voie hiérarchique, à la lutte contre les tribalismes. Au terme de la séance de travail, les généraux Tio ont inspecté les chantiers en construction et le nouveau dispensaire de la 22e région militaire. Deux militaires du corps du génie des forces armées, dont 11 officiers supérieurs, 13 officiers subalternes et 28 sous-officiers, tous brevetés de l'école du génie militaire, ont terminé le vendredi 14 avril 2023 la formation supplémentaire dispensée par les instructeurs américains. Pour les officiers, cette formation a permis le renforcement des capacités dans plusieurs domaines du génie. Les officiers ont été initiés aux missions du génie, à la méthodologie d'élaboration des ordres, à la lecture des plans et aux outils techniques du génie. Les sous-officiers ont été formés aux métiers de maçonnerie, d'ajustage, de menuiserie, bois, d'électricité, de plomberie et de gestion de l'eau. La cérémonie de fin de formation a été présidée par le général-major Kasongo Tshibangu Léon Richard, chef d'état-major général adjoint chargé d'administration et de logistique, en présence des diplomates américains et des officiers généraux des forces armées de la région.
République démocratique du Congo. Dans son mot de bienvenue, le commandant du corps du génie militaire, le général-major Ndanga Ouzouda Bruno, a exprimé sa joie d'accueillir les invités des marques. Il a, pour la même occasion, rendu un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo pour sa diplomatie agissante. C'est pour moi un honneur et un agréable plaisir de prendre la parole pour vous remercier tous de votre présence et vous souhaiter la bienvenue au sein de l'État-major du corps du génie militaire à l'occasion de la fin de la 4e session des cycles organisés par les partenaires américains Saint-Pierre. Avant toute chose, je remercie Dieu, maître des temps et des circonstances, qui a permis l'aboutissement heureux de cette session de formation et en dépit des conditions professionnelles difficiles. Les hommages les plus différents sont adressés au président de la République, chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées, j'ai cité Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, par sa diplomatie agissante, a réussi la reprise de la coopération sous toutes ses formes entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Représentant d'ambassadeur des États-Unis d'Amérique accrédité à République démocratique du Congo empêché, le major Joseph Wilhelm, chef du bureau coopération et sécurité à l'ambassade américaine, a remercié les organisateurs avant de donner la quintessence de la dite formation. Je vous remercie d'avoir organisé cet événement important et plein de signification et merci à votre leadership pour avoir rendu ce programme possible. Vous savez que les bâtiments militaires et civils, les infrastructures et même les installations de lancement de la NASA ont été construits par le corps d'ingénieurs de l'armée américaine. C'est le corps d'ingénieurs qui peut construire de longs bâtiments, protéger les villes et leurs citoyens contre les inondations et améliorer la qualité de vie d'une vieille. C'est vous qui pouvez le faire tout cela. La prochaine formation concernera les opérateurs et les maintenanciers dont gens du génie. À la fin de la cérémonie, quelques lauréats ont livré leurs impressions. Nos impressions sont tellement bonnes par rapport à la formation que nous allons de faire avec nos partenaires américains. C'est juste pour renforcer encore les capacités des militaires du corps du génie dans le domaine de la construction et certaines techniques par rapport aux projets que le corps du génie peut avoir et par rapport à ce que la République peut avoir. Sécuriser la population et ses biens est aussi une mission dévolue aux forces armées de la République démocratique du Congo. C'est pour cette raison que le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Mbang Masita Marcel, a effectué une descente au grand séminaire Philosopha Saint-Augustin de Kisangani pour rassurer les prêtres et les séminaristes sur leur sécurité. Pour rappel, les assaillants non autrement identifiés ont assiégé le séminaire après avoir spolié son patrimoine foncier, créant ainsi la terreur et le désarroi dans l'esprit des prêtres de cette institution qui ont sollicité le secours de services de sécurité. C'est ainsi que Son Excellence, M. Marcel Outembi, archevêque métropolitain de Kisangani et président de la CENCO, s'est adressé aux séminaristes en ces termes. Nous avons fait appel aux services de sécurité, de l'ordre et dans notre séminaire. Nous pouvons nous sentir rassurés. Et le commandant parmi nous, il pourra peut-être nous dire aussi un petit mot. Nous tenons à saluer la présence du commandant de la 3e zone de défense militaire. Et hier soir, nous avons communiqué dans la nuit quand nous avons appris que
vous faisiez l'objet d'une menace d'attaque, d'une irruption nocturne, de sécuriser les personnes et leurs biens, de nous sécuriser et de sécuriser notre patrimoine, ce patrimoine foncier. Pour sécuriser cette population religieuse, les commandants de la 3e zone de défense précisent. Moi, je porte le même prénom que notre monseigneur. Donc, je suis lieutenant général Bangou Machida Marcel. En fait, hier soir, j'ai été contacté par un de mes collaborateurs pour me dire qu'il y avait des soucis de ce côté ici. C'est ainsi que je lui ai demandé de m'envoyer le numéro de monseigneur. Je lui ai donné l'autorisation de pouvoir passer aussi mon numéro. Il est regrettable que certains compatriotes, jusqu'à preuve du contraire, puissent continuer à penser que la meilleure façon de pouvoir réclamer ce qui suppose être leur droit, c'est de recourir à la force. C'est inadmissible. Il serait souhaitable qu'ils puissent chercher les institutions judiciaires qui peuvent les accompagner s'ils pensent effectivement être en ordre au lieu de recourir à la force. Alors, dans notre pays, constitutionnellement parlant, il n'y a que les forces armées de la République et la police nationale qui ont le plein pouvoir. Et ce pouvoir vient de vous. C'est grâce à vous que votre armée doit exister, c'est grâce à vous que la police doit exister, et vous avez décidé de doter ces deux institutions en armes et munitions pour la défense de votre pays, pour la sécurisation de la population, bien sûr, c'est bien. Franchement, depuis que je suis arrivé ici, j'ai constaté malheureusement qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est ainsi que je suis tout le temps parti. Mais dans ma tête, je me disais que je vais trouver un temps pour que je puisse venir vous voir, présenter mes civilités, me faire connaître auprès de votre autorité, échanger effectivement les contacts pour qu'en cas de besoin, par et d'autre, qu'on ne puisse pas chercher à passer par des tierces personnes. Une occasion malheureuse a permis à ce que nous puissions finalement nous rencontrer aujourd'hui. Donc je voudrais vous donner des garanties, parce que nous sommes là pour ces devoirs que vous voulez donner. Ils sont nombreux qui ignorent peut-être, parce qu'on se retrouve devant vous avec des galons, mais c'est un chef. Nous sommes chefs face à nos subalternes. Donc je suis son chef, il est aussi le chef des autres jusqu'au dernier soldat. Mais lorsqu'un militaire, quel que soit ce galon, se retrouve devant vous, dites-vous que vous avez affaire à un serviteur. Vous comprenez bien? Donc je dois me rassurer que vous avez la paix dans votre environnement. Notez que ces malfrats se sont attaqués non seulement au bâtiment, mais aussi au chariot automobile du Grand Séminaire Saint-Augustin, le lundi 10 avril 2023. Une coïncidence à ne pas passer sous silence, le commandant 3e zone de défense, lieutenant général Malsen Bangou, se fait accompagner de son adjoint, le général-major Diédoné Moutoupeke, pour rencontrer ce vendredi 14 avril 2023, Monseigneur Marcel Outembi, avec son adjoint, Monseigneur Dieudonné Madrapile, évêque d'Issangui. Officiers de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo ont répondu présents à la réunion mixte tenue par le commandant 31e région militaire, général-major Mujingamish Timothée. Ce vendredi 14 avril 2023, dans la salle des réunions Mplankumu, la communication du commandant région, l'émission La politisme de la PNC et de la FARDC, la discipline, les points retenus de l'exposé du commandant 31e région militaire.
Dans son adresse, le général a montré à l'assistance la grandeur de ce métier noble qui est la sécurisation, qui est assis sur la discipline, qui est la mère des armées et de la police nationale congolaise. Une occasion de leur dire, un policier et un militaire, ils ne sont ni électeurs ni éligibles. Ceci fait que nous sommes apolitiques. Intervenant dans la séance, le commissaire provincial de la police nationale congolaise Bazouélé, commissaire supérieur principal Maurice Kanyamukenge, a venu sur certaines structures de la PNC qui sont déséquilibrées, or ils interviennent sur les recettes de l'État. Pour le commandant bataillon Bouta, Nel Delphé Mastaki a soulevé les problèmes de criminalité des bandits main à main provenant de la province de la Tchopo. Si ces sites manquent de postes de contrôle, pour le commandant région, le poste de contrôle ne doit pas être la source de tracasserie, car les FARDC et la police nationale congolaise sont au service de la nation. Arrivé au territoire de Tchela, dans l'ex-district du Bas-Fleuve, au Congo central, le 8 avril 2023, le commandant de la 12e région militaire, le général-major Dieu-Gentil Aling Bianzambe et sa suite, présentent leur civilité et l'objet de leur mission auprès de l'administrateur du territoire qui, à son tour, témoigne le bon comportement des militaires déployés dans son entité. Après cet échange, le commandant région se dirige vers l'état-major du bataillon FOMAC, force multinationale pour l'Afrique centrale, qui lui rend les honneurs. Sur place, il tient un briefing avec l'état-major de cette unité, séance au cours de laquelle il est informé de l'organisation, de l'ordre de déploiement et la situation logistique et administrative de cette unité, commandée par le lieutenant-colonel Fabien. Il s'ensuit une causerie morale avec les hommes des troupes. Une opportunité pour le commandant région et commandant en place de donner de nouvelles orientations par rapport à l'exercice de leur mission, celle de protéger les personnes et leurs biens, ainsi que de défendre jusqu'au sacrifice suprême l'intégrité territoriale. Après Tchela, le général-major Dieu-Gentil Aling Bianzambe prend la direction de la ville de Boma, où il est reçu par le commandant du 14e groupement naval, le contre-amiral Raphaël Bokota Botumbe. Les échanges tournent autour de la situation sécuritaire apparemment calme de cette partie de la province qui partage les frontières avec la République sœur d'Angola. Je vois que les enfants, donc moi je les appelle généralement des enfants, les militaires sont motivés, ils sont disciplinés, tels que j'ai vu là, ils ont des difficultés que nous allons essayer de transmettre à la hiérarchie pour trouver tant soit peu solution à leurs différents problèmes. Comme je leur dis toujours, de garder espoir, de faire notre travail et de le faire correctement dans la discipline militaire. La mission se termine à la polyclinique de Cézanne Bescou, où le commandant région vient s'enquérir de l'état de santé d'un militaire grièvement blessé après une agression à son poste de service. Touché par son état de santé, le général-major Dieu-Gentil Aling Bianzambe donne des instructions pour son évacuation d'urgence à Kinshasa pour des soins appropriés. 3 mois depuis sa prise de fonction à la tête de la 12e région militaire, le général-major Dieu-Gentil Aling Bianzambe est en train de poursuivre sa mission d'inspection, question de s'imprégner de la situation de toutes les unités sous son commandement. Dès le début, au début, tout le monde a dit que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, commandant suprême, a fait un effort pour que la situation conduise à la soldat. Je suis en train de faire un effort pour que la situation social, à la soldat. Je suis en train de faire un effort pour que la situation conduise à la soldat.
cour militaire a ordonné par son arrêt avant dire droit rendu vendredi 14 avril 2023 à la prison militaire de Ndolo la surséance à l'instruction de la cause ministère public contre le député national Mwanga Chuchu Izzy Edouard. La cour a également saisi la cour constitutionnelle pour examiner l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par le prévenu à travers le mémoire unique. Pour la partie prévenue, la haute cour militaire a violé la constitution qui, en son article 153, alinéa 3, fait de la cour de cassation le juge des membres du Parlement. Elle a jugé inconstitutionnelle la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire qui dispose en son article 120 que même les députés nationaux sont justiciables des juridictions militaires. Le prévenu Mwanga Chuchu est poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, et détention sans titre ni droit des armes et munitions de guerre. Statuant contradictoirement en audience publique à la majorité des voix des membres de sa composition, vu la constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 21, 149 alinéa 3 et 162, vu la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, en toutes ses dispositions pertinentes, le ministère public entendu en son avis, disant droit, le mémoire relatif à l'exception d'inconstitutionnalité déposé par devant elle par le prévenu Mwanga Chuchu Izzy Edouard, ordonne en conséquence la surséance de l'instruction de la cause instruite sous RP numéro 031/23. Et la saisine de la Cour constitutionnelle. La haute cour militaire a ainsi arrêté et prononcé à l'audience publique de ce jour à laquelle ont siégé le général de brigade magistrat Kalala Kapuku Martin, président, le général de brigade Tchaïkolo et Sosa Masele Jean-Paulin, rapporteur, le colonel Abimasi Kibonge, juge assesseur. RTNC, d'église au milieu du village. Le train de renouveau de la radio-télévision nationale congolaise est en marche. Désormais, c'est chez vous de vos canapés que vous vivrez le relooking de la RTNC. Nouvelle identité visuelle, habillage d'antenne adapté, grille de programme revisitée, live assuré sur www.rtnc.cd. Tout pour nous réconcilier avec notre chaîne nationale, vecteur de nouveaux narratifs sur la République démocratique du Congo. Prenons rendez-vous pour parachever cette modernisation et permettre à la RTNC de jouer son rôle de média public. RTNC.